Lors de la première séance, où on avait travaillé sur l'interconnaissance des membres, de leurs attentes au sein du projet, ce soir, on est rentré dans le vif du sujet. Il fallait commencer à faire émerger des propositions, que ce soit des actions ou des recommandations pour renforcer le lien science-société sur le territoire. J'ai le sentiment qu'il y a un besoin en fait, de se rencontrer, de comprendre les méthodes et les modes de communication de chacun. Cette capacité de cette instance à pouvoir créer ces échanges, ces interrelations au sein de nos différents collèges me semble être de nature à pouvoir apporter énormément à la fonction que je veux exercer, qui engage des responsabilités et qui m'engage moi à porter des orientations en faveur de notre capacité à ce que chacun et chacune puisse vivre dignement sur le territoire, maintenant et pour les décennies à venir. On est allé vers un sujet qui me paraît important en tout cas, qui pour moi est important par rapport à ma présence dans le comité, c'est tout ce qui est autour de la communication, de l'information, de la désinformation, des savoirs, des transmissions de savoirs. Quand on a collé les gommettes, il y avait les gommettes des chercheurs qui étaient plutôt d'un côté, les gommettes des autres, des dirigeants et des décideurs et de la société civile qui étaient plutôt de l'autre. Donc on se dit qu'il y a encore beaucoup de travail de mise en commun à faire.